Ce mardi 9 juillet, le prince William s'est échappé de l'Adelaide Cottage où il réside avec Kate Middleton et les enfants pour une visite officielle très particulière. Le prince s'est rendu sur une base aérienne où il a affronté tous les dangers. Pas de trêve pour le prince William. Après avoir fait l'aller-retour à Düsseldorf pour assister à la rencontre Angleterre-Suisse dans le cadre de l'Euro 2024, match auquel il a assisté avec un détail look très particulier, le futur roi d'Angleterre a pris la direction d'une base aérienne, celle d'Anglesey. Sa première visite officielle en tant que Commodore de la RAF Valley, titre dont il a hérité en août de l'année dernière. Si est-il sous une pluie battante que le prince de Galles a fait son arrivée en costume. Très élégant sous son parapluie, le prince William a salué toutes les personnes qu'il pouvait croiser sur son chemin, ne cachant pas son plaisir de renouer avec ce milieu qu'il a côtoyé en tant que pilote de recherche et de sauvetage de la RAF de 2010 à 2013. Ces terres, le prince les connaît donc très bien puisqu'il y a vécu durant ses années de service. Et autant dire que si la pluie s'est invitée pour cette journée, William a littéralement mouillé le maillot. Ou du moins la chemise et il n'a pas fait semblant. Point. Le prince William affronte un incendie sur la base aérienne pour préparer au mieux les recrues à tous les événements possibles, des simulations ont lieu. Et en cette journée du mardi 9 juillet, jour de la venue du prince William, s'y est-il une simulation d'incendie qui s'est déroulée. Et les images sont impressionnantes, en témoigne le post sur X, ancien Twitter, de Rebecca English, journaliste spécialisée dans la royauté pour le réputé Daily Mail. Le père de George, Charlotte et Louis, 10, 9 et 6 ans, a pris place sur le siège passager du camion de pompiers face à un avion en proie aux flammes. Si est-il lui qui, d'après les informations de la journaliste, gérait alors le débit d'eau. Le prince William a également eu l'honneur de rencontrer le capitaine Brian Wills, son ancien instructeur, et de s'entretenir avec les membres du personnel du contrôle aérien. William renoue avec ses souvenirs. Il y a maintenant plus de 10 ans de cela, le prince William faisait partie intégrante de l'équipe qu'il est venu saluer aujourd'hui. Il s'est d'ailleurs réjoui de cette visite sur le compte X, ancien Twitter, du prince et de la princesse de Galles, ce fut formidable d'être à vos côtés aujourd'hui. Nul doute que le prince William s'est remémoré beaucoup de souvenirs en redécouvrant les lieux. Une visite qu'il aurait sûrement un peu plus appréciée s'il avait été en compagnie de sa femme, Kate Middleton, avec qui il a vécu sur l'île les deux premières années de leur mariage.